pense qu'on va encore avoir du monde. On a un concours de circonstances, à mon avis, avec la pluie et l'horaire. Cette salle est censée être complètement pleine. En fait, elle est à moitié pleine. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont arriver entre temps. Dans tous les cas, moi je fais une très rapide introduction sur le mouton numérique pour vous expliquer un petit peu qui on est. Donc on est une association qui existe depuis 2017 et qui politise les questions technologiques. Donc il nous a paru intéressant d'être ici ce soir pour parler de l'humanisme technologique. Je ne vais pas faire plus long que ça. Aujourd'hui on a un format un petit peu spécial puisque d'habitude on fait des débats à deux personnes. Là on va faire d'abord une conférence qui sera celle de Rémi. Et ensuite une série de questions de Christelle, donc Christelle qui est membre du Mouton Numérique, a monté l'événement de ce soir, et qui est aussi consultante en innovation et spécialisée dans les questions écologiques. Donc voilà, je vous les laisse parce qu'on ne va pas avoir le temps de faire beaucoup plus long, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'introduction Irénée. Donc, je suis très contente d'être ici ce soir à pouvoir avoir la chance d'animer cette première conférence au sein du Mouton. Donc on va passer à peu près une heure ensemble où on va avoir le plaisir d'écouter et d'échanger avec Rémi Durand qui est là à nos côtés. Rémi qui est ingénieur mais aussi sociologue des sciences et techniques et qui est surtout l'auteur du fabuleux livre qui est juste ici, qui est donc l'évangélisme technologique de la révolte hippie au capitalisme high-tech de la Silicon Valley. Donc un long titre pour de longues recherches, puisque Rémi, tu as consacré ta thèse justement à ce sujet, où tu as étudié l'évangélisme technologique des grands acteurs de la Silicon Valley, principalement Apple et Google. L'évangélisme, le terme n'est pas un choix anodin, on le connaît beaucoup sous sa connotation religieuse, mais l'évangélisme technologique, c'est aussi, tu me diras si je me trompe Rémi, une méthode marketing inventée dans les années 1980 pour justement susciter l'engouement et la passion autour des technologies numériques. Et du coup, tu t'es plongé pendant 4 ans dans l'histoire et la culture de ces grandes entreprises pour comprendre un peu la fascination qu'elles ont exercée et la façon dont elles ont construit les grands empires que l'on connaît aujourd'hui. Et tu vas surtout tenter, pendant cette première partie de la conférence, de nous expliquer comment, en défendant justement le pouvoir des nouvelles technologies, ces entrepreneurs, Steve Jobs et compagnie, qui pensaient justement pouvoir changer le monde pour le meilleur, ont finalement un petit peu recréé le pire, en tout cas sont accusés du pire aujourd'hui. Quand je dis le pire, je fais référence justement à tous les scandales qui ont pu éclater ces dernières années. On accuse les GAFA de nombreuses dérives, de surveillance, de monopole, de contrôle. On a des attaques qui émergent un peu de partout, que ce soit des consommateurs, des ex-collaborateurs même de ces boîtes, des États, des politiques, bref, on essaye un peu par tous les moyens de reprendre le contrôle sur cette domination qu'elles exercent. Et du coup, on se rend bien compte qu'on est assez loin de l'utopie numérique tant revendiquée et tant espérée par ces entrepreneurs dans les années 60-70, dans les années 70-80 plutôt. Et justement, pour comprendre un petit peu les raisons de ce revirement, c'est pour ça qu'on on va laisser la parole à Rémi ce soir pour qu'il nous explique justement comment on en est arrivé à là où on en est aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup à tous. Très bien. Merci beaucoup Christelle pour l'introduction qui pose assez bien le thème de la soirée. Alors merci aussi à l'équipe du Mouton Numérique pour toute l'organisation de cette conférence. Bonsoir à tous. Alors, ça se rend pire au fur et à mesure. Je suis ravi d'être ici, moi aussi. Donc, ce soir, je vais vous parler d'évangélisme technologique. Donc, il y aura une dimension un peu spirituelle dans cette conférence. Pas que spirituelle, mais ça en fera partie. Alors, déjà, pour introduire un peu le sujet et pour dire en quoi c'est un thème intéressant, l'évangélisme technologique à proprement parler, donc Christelle l'a un peu introduit, et oui, tu avais juste, c'est une méthode marketing qui a été inventée par Apple au début des années 80. Et à ce moment-là, Apple lançait le premier Macintosh. C'était un peu le premier grand chef-d'œuvre de Steve Jobs. Et Apple avait besoin en fait qu'un maximum de développeurs extérieurs à la société créent des applications pour le Macintosh, pour le rendre le plus intéressant possible auprès des utilisateurs. C'était un enjeu stratégique essentiel.
Et donc, dans cette visée, Apple embauche Guy Kawasaki, qui est à gauche, et c'est lui qui invente cette méthode. Et la particularité de cette méthode marketing, c'est que pour vendre une technologie auprès d'une population, d'un écosystème de développeurs par exemple, c'est pas la technologie en elle-même qu'elle va mettre en avant, c'est plus le rêve et la passion que suscite cette technologie auprès de la population, auprès de l'écosystème auquel elle s'adresse. Voilà, donc c'est vraiment sur ces ressorts affectifs et imaginaires que s'appuie cette méthode pour dynamiser l'écosystème. Alors, ce qui est intéressant avec l'évangélisme technologique, déjà, c'est une métaphore religieuse qui est assez lourde. C'est pas comme d'autres expressions comme le storytelling ou le teasing marketing, qui sont des expressions un peu plus légères. Là, on sent que derrière ça, il y a quelque chose de plus profond qui est exprimé par ces sociétés. Et en fait, justement, c'est un bon point d'entrée qui permet de saisir l'état d'esprit de ces sociétés, de comprendre un peu quelles sont les visions du monde qu'elles développent, qu'elles déploient autour des technologies qu'elles produisent, et quelles sont les émotions, les motivations qui portent les acteurs qui font évoluer cet univers. Donc en fait, je vais surtout m'intéresser au rapport à l'innovation qui s'exprime à travers l'évangélisme technologique. Donc ce que je vais proposer dans un premier temps, c'est justement d'essayer de rentrer dans la tête de ces sociétés pour les analyser de l'intérieur et comprendre leur état d'esprit, leur culture de l'innovation. Et dans un deuxième temps, je prendrai une position plutôt extérieure pour analyser certaines des dynamiques qui sont engendrées par cette culture de l'innovation, des dynamiques d'ordre politique, économique et social, par exemple. Voilà le programme. Alors, pour comprendre le rapport à l'innovation de ces sociétés, Steve Jobs disait quelque chose de très important au sujet d'Apple. Donc ça, là, j'ai mis l'extrait d'un interview de 1995. Donc à ce moment-là, il s'était fait virer depuis une bonne décennie de son entreprise. Et alors, le journaliste lui demandait « Est-ce que vous vous considérez plutôt comme un hacker ou plutôt comme un hippie ?» Il lui répondait « Si je devais choisir, je suis clairement un hippie. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé sont dans cette catégorie. Je ne pense pas que le principal but de mes collaborateurs était simplement de fabriquer des ordinateurs. À travers eux, ils voulaient aussi transmettre des émotions et les partager avec d'autres. » Donc ça, c'est un point très important que Steve Jobs a répété à plusieurs moments de sa carrière. Il disait que pour lui, ce qu'est fondamentalement Apple, c'est pas une société qui crée des boîtes grises pour aider les gens à bien faire leur travail. En fait, pour lui, il voyait les technologies comme des médiums à travers lesquels il cherchait à exprimer des émotions particulières. Donc c'est plus ces émotions qu'il exprimait qui l'intéressaient que les technologies en elles-mêmes. Et le deuxième aspect intéressant de ce passage, c'est qu'il dit que ces émotions qu'il exprimait, donc un peu comme un artiste à travers ces technologies, elles étaient en lien direct avec les expériences qu'il avait pu faire dans le mouvement hippie quelques années plus tôt. Donc ça, c'est quelque chose de très surprenant quand même, d'entendre Steve Jobs dire que Apple, qui est aujourd'hui la championne du monde du capitalisme, que cette société tirerait ses origines, ses racines profondes de la contre-culture et du mouvement hippie notamment, qui étaient des mouvements profondément hostiles au capitalisme, à la société de consommation et à tout ce qui y était lié. Mais voilà, donc pour comprendre cette culture de l'innovation, je vais en faire la généalogie en partant justement de la contre-culture des années 60. Donc, alors, la baie de San Francisco, bon, c'est une carte de la baie de San Francisco, ça ne va pas très bien, mais... la baie de San Francisco, dans les années 60, c'est le carrefour de tout un tas de dynamiques différentes et plus ou moins antagonistes les unes avec les autres. C'est déjà le moment de la guerre froide, qui est notamment marqué par la course à la conquête spatiale qui oppose les États-Unis et l'URSS.
Les États-Unis sont aussi engagés dans la guerre du Vietnam. Et en fait, la Silicon Valley, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la Silicon Valley, à la base, elle s'est surtout développée grâce à des investissements militaires du gouvernement américain. Alors, les années 60, c'est aussi le moment où l'industrie de la micro-informatique commence à exploser. C'est là qu'on voit apparaître les premiers circuits imprimés avec une entreprise comme Fairchild, par exemple. On voit apparaître les briques de base de la, de la micro-informatique moderne, avec l'interface graphique, avec la souris qui apparaît à ce moment-là. Et alors, au milieu de tout ça, il y a la contre-culture qui commence à devenir un mouvement très important et même à arriver sur le devant de la scène. Et c'est plus à ce dernier mouvement que je vais, sur lequel je vais m'attarder un petit peu. Alors, la contre-culture des années 60, c'était un mouvement assez hétéroclite. Je vais y venir juste après. Mais il y avait quand même un dénominateur commun qui caractérisait un petit peu le mouvement, comme son nom l'indique un peu d'ailleurs, c'est le rejet radical de l'ordre établi, le refus de s'intégrer à toutes les institutions qui structurent la société du capitalisme fordiste dans lequel ils évoluent. On critiquait beaucoup la société de consommation, on critiquait la bureaucratie et surtout la technocratie. Et alors en fait, il y a une angoisse qui était partagée par la contre-culture, et même pas que par la contre-culture, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis une citation de Charles de Gaulle, c'est ce qu'ils appelaient la mécanisation des consciences. Donc ça c'était, en fait c'est ce qu'avait dit Charles de Gaulle dans ses vœux de fin d'année en 68 après les révoltes qui avaient traversé le pays. Il expliquait donc, à l'origine de ce trouble, il y a le sentiment attristant, irritant, qu'éprouvent les hommes d'à présent, d'être saisis et entraînés par un engrenage économique et social sur lequel ils n'ont pas de prise et qui fait d'eux des instruments. À ce mal du siècle, et le mal des âmes, nous pouvons pour notre part contribuer à remédier. Alors, j'ai mis une citation de Gaulle, qui était, on ne peut pas soupçonner d'être un hippie ou un gauchiste, pour montrer qu'en fait c'était un malaise qui n'était pas propre à la contre-culture. Je dirais qu'en fait c'est un malaise qui est propre à la société moderne, qu'on peut tous ressentir à différents degrés. Mais c'est quelque chose qui s'exprimait avec une vigueur particulière au sein de la contre-culture. Et eux, en fait, ils voyaient la société comme une sorte de grande machine qui menaçait de les transformer en engrenage et de les déposséder de leur existence. Ils disaient par exemple qu'ils avaient peur d'être transformés en robots. Voilà, c'est un peu comme ça qu'ils exprimaient les choses. Alors, au-delà de ce dénominateur commun, la contre-culture, aujourd'hui, dans la littérature, on a coutume de la diviser en deux sous-mouvements différents. Donc d'un côté, il y a celui de la Nouvelle Gauche. Donc la Nouvelle Gauche, elle exprimait sa contestation sociale sur le plan de la lutte politique. Ils organisaient des actions militantes pour plus de citoyenneté. Il y avait le Free Speech Movement, par exemple, à Berkeley, où ils luttaient pour plus d'égalité. Voilà, donc ils étaient vraiment... c'est au niveau politique qui se plaçaient dans leur contestation. Et le deuxième mouvement, donc, c'est celui des hippies. Alors, pour leur part, eux, ils se détournaient complètement de la politique. Ils tournaient même en dérision un petit peu les actions militantes des membres de la Nouvelle Gauche. Et donc, ce mouvement, il était plus marqué par une forme d'exploration de nouveaux états de conscience et par une sorte de quête spirituelle un peu particulière. En fait, pour eux, changer la société, ça passait d'abord par le fait de se changer soi-même et de restructurer, de reconfigurer un petit peu, enfin c'est pas le bon terme, de restructurer sa personnalité intérieure. Voilà, c'était plus dans ce sens-là qu'ils prenaient le problème.
Donc c'est plus à ce second mouvement que je vais m'intéresser par la suite. Alors, Leiji, là aussi, c'était un mouvement, c'était pas un mouvement monolithique et homogène, c'était un mouvement qui était marqué par tout un tas d'expériences diverses et variées. Je vais même pas pouvoir toutes les présenter. Mais bon, il y avait quand même des traits un peu caractéristiques qu'on peut relever. Donc là, cette fois-ci, j'ai mis une citation du livre d'Aldous Huxley, son fameux livre « Les portes de la perception », qui était un peu une bible pour beaucoup de hippies de l'époque. Et dans ce passage, justement, il décrit dans quel état d'esprit ces différentes expériences étaient menées. Donc il dit que la plupart des hommes et des femmes mènent une vie si douloureuse dans le cas le plus défavorable, si monotone, pauvre et bornée dans le cas le meilleur, que le besoin de s'évader, le désir de se transcender eux-mêmes, est et a toujours été l'un des principaux appétits de l'âme. L'art et la religion, les carnavals et les saturnales, la danse et l'audition des prouesses oratoires, tout cela a servi de porte dans le mur. Et pour l'usage privé et quotidien, il y a toujours eu des excitants chimiques. Donc, il exprime assez bien dans ce passage qu'à travers les différentes expériences qui étaient menées, ce qui était recherché, c'était des moyens de sortir de soi, de sortir de la société et de vivre des formes d'expérience un peu transcendantes. Il y avait quelque chose de très extatique dans ce mouvement. Alors, l'un des éléments qui avait marqué ce mouvement, c'était les drogues psychédéliques, et notamment le LSD. Alors, le LSD, c'était vu par les hippies comme la clé qui permettait d'ouvrir les fameuses portes de la perception chères à Aldous Huxley. Et alors, par exemple, il y avait une communauté très connue à cette époque-là, c'était celle des Merry Pranksters. Ils organisaient ce qu'ils appelaient des acid tests. C'était des festivals qui pouvaient réunir quelques dizaines à quelques centaines de participants sous un dôme géodésique. Donc là, j'ai une photo en à droite, c'est une photo noir et blanc qui a été un peu stylisée façon psychédélique. Et alors, lors de ces événements, il y avait des groupes de rock qui venaient performer, comme les Grateful Dead. Et il y avait tout un tas de nouvelles technologies électroniques de l'époque. Il y avait des stroboscopes, il y avait des lumières multicolores, et bien sûr, il y avait du LSD. Et ce qui était recherché lors de ces festivals, c'était de vivre ce qu'ils appelaient l'expérience religieuse originelle. C'est-à-dire un moment où chacun va diluer un petit peu son individualité dans l'instant présent du moment, et entrer dans une sorte de communion intersubjective avec le reste des participants. Donc voilà un peu, dire rapidement, l'ambiance de ces événements. Un autre élément qui avait beaucoup marqué le mouvement hippie, c'était l'intérêt pour les spiritualités orientales, et notamment le bouddhisme zen, qui était très à la mode à ce moment-là. Et là aussi, en fait, ce qui était recherché à travers cette pratique religieuse, c'était de trouver ce qu'on appelait l'illumination bouddhiste, le satori. Et le satori, en fait, c'est un état où, là encore, vous êtes parvenu à sortir de votre moi un peu tyrannique et vous entrez dans un état un peu de symbiose ou d'osmose avec le cosmos, avec la nature du Bouddha. Voilà, donc c'est... Désolé pour ceux qui ont une connaissance plus fine de cette spiritualité, là je l'ai résumé de façon un peu caricaturale. Mais voilà, ce qui était recherché là aussi, c'était vraiment des moyens d'outrepasser son individualité. Donc là, j'ai mis une photo de Timothy Leary, c'était un peu le grand pape du LSD de l'époque. Et il était lui-même très, très, très emprunt, très, très imbibé par ses spiritualités orientales. Et en fait, le LSD et bouddhisme zen, ça faisait assez bon ménage en fait à l'époque. Il y a un autre hippie très connu qui s'appelle Theodore Roszak. Il disait que le LSD c'était un peu le shortcut to Satori. Donc, pas besoin de méditer des années dans un monastère. Vous prenez quelques gouttes de LSD et hop, tout de suite, vous trouviez l'illumination. Beaucoup plus rapide.
Donc voilà, ces deux exemples importants, il y en aurait beaucoup d'autres, il y avait le retour à la nature, il y avait tout un tas de choses, mais bon, voilà, ça donne un peu une idée de l'état d'esprit du mouvement. Alors, le premier moment qui va nous intéresser, c'est le moment où ces hippies, ou certains de ces hippies en tout cas, vont s'approprier les nouvelles technologies de l'informatique qui émergent à ce moment-là dans la baie de San Francisco. Donc ça, c'est une citation de Stuart Brand, qui était un hippie qui avait particulièrement vécu ce mélange entre contre-culture et les nouvelles technologies informatiques, qui a été très bien analysé par Fred Turner par ailleurs. Et donc il disait que bon nombre des membres les plus inventifs, créatifs et influents de la sous-culture informatique faisaient aussi partie de la contre-culture. Ils découvrirent qu'ils pouvaient se plonger dans les ordinateurs de la même manière que nous nous étions plongés dans le LSD. C'est-à-dire que ce que vont découvrir certains de ces hippies, c'est que à travers ces nouvelles technologies, ils vont pouvoir vivre des expériences et des émotions très proches de celles qu'ils vivaient par ailleurs dans leurs expériences hippies, psychédéliques, etc. Par exemple, quand ils vont se mettre à développer une nouvelle machine ou un logiciel dans leurs petites équipes, ils vont entrer dans un état un peu second, où ils oublient le temps, ils oublient l'envie de manger, l'envie de dormir, et ils ont le sentiment de s'immerger dans un nouvel univers aux possibilités infinies et dans lequel ils pourraient être complètement libres. Donc voilà, c'était une expérience qu'ils vivaient de façon presque mystique. Ou un autre exemple, par exemple, quand ils présentaient au public une nouvelle technologie complètement révolutionnaire, ils créaient là aussi dans le public des formes d'exaltation collective qui leur rappelaient celles qui pouvaient vivre à des événements comme les acid tests, par exemple. Voilà, donc en fait, ce que font ces hippies, c'est qu'ils intègrent les technologies de l'informatique de l'époque à leur quête spirituelle. Et ces technologies, ça devient des outils qui leur permettent de sortir du quotidien et de vivre des expériences exaltantes, extatiques, et qui les fait plonger dans un univers infini qu'ils explorent avec passion. Donc voilà un petit peu comment ces aspects se mélangent. Ensuite, le deuxième moment très important de l'histoire que je vous raconte, c'est ce qui se passe avec l'émergence d'Apple. C'est le moment qui est le moins bien compris en général. On a tendance à penser que ce moment où les anciens hippies deviennent entrepreneurs, c'est celui où ils retournent leur veste un petit peu. C'est-à-dire qu'ils laissent tomber leurs anciens idéaux de jeunesse pour devenir des capitalistes cyniques, avides de profit. Voilà, c'est un schéma un peu marxiste qu'on a tous plus ou moins en tête. Donc moi, ce que je vais essayer de montrer, c'est que c'est exactement le contraire qui se passe, en fait. Alors déjà, Apple, elle émerge dans l'une des communautés qui s'était créée au carrefour de la contre-culture et des technologies de l'informatique. Le fameux Homebrew Computer Club, qui est très célèbre aujourd'hui à cause d'Apple, mais il y a beaucoup d'autres grandes startups qui sont sorties de cette communauté. Et Steve Jobs et Steve Wozniak, ils étaient eux-mêmes très, très imprégnés par la contre-culture. Surtout Steve Jobs, qui était un hippie assez notoire. Il avait fait son pèlerinage en Inde pour aller trouver son gourou. Il avait fait ses expériences au LSD. Et puis, il était lui-même très marqué, même pendant toute sa vie, par les spiritualités comme le bouddhisme zen. La question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est quel rôle va jouer la spiritualité high-tech des hippies dans la création de cette start-up qui va très vite devenir une multinationale. Quelle place elle occupe concrètement dans cette entreprise? Alors, pour répondre à cette question, pour comprendre ce rôle particulier, je vais m'intéresser au lancement du premier Macintosh en 1984,
En fait, c'est un moment, c'est à partir de ce moment-là que l'héritage de la contre-culture commence à devenir très prégnant, très visible dans les technologies développées par Apple. Donc, alors déjà pour rappeler un peu quelques éléments de contexte de ce moment-là, donc le début des années 80, Apple était une entreprise qui était, c'était un acteur majeur de l'industrie de la micro-informatique, c'est une entreprise très prospère. Ils avaient eu un très gros succès avec l'Apple II, qui était un peu l'œuvre de Wozniak. Et mais au début des années 80, donc il y a IBM qui finit par se positionner sur ce marché, et il lance son PC, l'IBM PC, qui a une architecture ouverte. Et cette architecture, le fait que ça ait une architecture ouverte, pardon, ça va engendrer la création de tout un tas de clones développés par d'autres entreprises et qui seront intercompatibles les uns avec les autres, mais pas compatibles avec les ordinateurs d'Apple. Donc en fait, Apple se retrouvait dans une situation très critique à ce moment-là. Il se sentait même menacé d'être rayé un peu, d'être éliminé de la compétition. Donc ça, c'est un premier point à voir en tête. Ensuite, le deuxième point à rappeler du contexte, surtout concernant IBM, c'est que, en fait, pour la contre-culture, IBM, c'était le symbole de Big Brother. C'était vraiment l'entreprise qui incarnait le plus l'angoisse de cette génération de se faire transformer en robot ou de se faire transformer en carte perforée qui se retrouverait avalée par ces grosses machines. Donc voilà, c'est quelque chose qui marquait un peu les esprits de cette époque. Donc pour analyser le lancement du Macintosh, le premier point intéressant à regarder, c'est la façon dont Steve Jobs donnait à voir sa technologie auprès du public, auprès des consommateurs, auprès des investisseurs, la façon dont il le montrait au monde, d'une certaine manière. Et en fait, dans ses discours, il reprenait complètement la symbolique de la contre-culture. Donc, il parlait d'IBM comme de Big Brother, comme d'un acteur qui cherchait à créer une nouvelle forme de dictature à travers son monopole dans l'industrie de l'informatique. Et Apple, au contraire, c'était plutôt une force de résistance qui luttait pour la liberté de l'humanité. Voilà, donc. Et alors, cette symbolique-là, elle a été mise en image, en fait, dans le clip publicitaire de Ridley Scott, qui est rentré un peu dans les annales de la Silicon Valley. Là, c'est un extrait du clip en haut à droite. Et donc dans ce clip, on voit vraiment. Alors il y avait toute une référence au roman 1984 de George Orwell. Et dans ce clip, on voit la figure de Big Brother qui avait réduit l'humanité en esclavage, qui avait enchaîné. Et on voyait donc le Macintosh qui était symbolisé par une jeune femme blonde, athlétique, et qui venait anéantir Big Brother pour libérer l'humanité. Donc voilà, ça c'est la partie marketing du Macintosh. Le deuxième aspect à regarder, c'est l'ordinateur en lui-même. Donc là, je l'ai mis à côté du PC d'IBM. Alors là aussi, pour rappeler un petit peu le contexte, pour ceux qui font partie de ma génération et qui n'ont pas connu ces machines particulières, les PC à ce moment-là, c'était des grosses machines qui n'étaient pas forcément élégantes, hein, comme on peut le voir là. Et l'interface graphique, c'était des chaînes de caractères monochromes et unidimensionnelles. Et pour interagir avec l'ordinateur, il fallait rentrer des chaînes de caractères, des lignes de commande qu'il fallait connaître par cœur. Donc c'était, il n'y avait pas de souris, c'était très austère. Et alors, quand on voit le Macintosh à côté, en fait, il apporte plusieurs révolutions techniques. Déjà, il se distingue par son look, son design, qui est beaucoup moins effrayant, qui est plus sympathique, plus cool, comme ils disent. Et alors, il y a deux grosses révolutions qui sont apportées avec cet ordinateur. La première, c'est l'interface graphique, où on voit cet écran à deux dimensions, sur lequel on peut afficher des icônes, des formes, on peut choisir sa police de caractère,
et puis à travers ça, exprimer sa créativité, exprimer ses émotions. Et du coup, ça rend l'utilisation de la machine beaucoup plus intuitive. Et la deuxième révolution qui arrive avec le Macintosh, c'est la souris. Et là aussi, la souris, elle rend l'utilisation de la machine beaucoup plus... elle permet de l'utiliser de façon beaucoup plus directe et beaucoup plus intuitive. Donc en fait, le Macintosh, dans ses éléments techniques les plus fondamentaux, il s'inscrit complètement dans la construction symbolique qu'on a vue avec le marketing. C'est-à-dire qu'il donne vraiment le sentiment à l'utilisateur qu'il va sortir d'un ordre social oppressant, monochrome, triste, pour entrer dans un nouvel univers complètement différent, qui serait un univers magique, où il y a des possibilités d'exprimer sa créativité, d'exprimer ses émotions, et dans lequel il va vivre l'expérience un peu mystique qui caractérise l'expérience utilisateur des technologies Apple. Donc en fait, ce que fait Steve Jobs avec le Macintosh, c'est exactement ce qu'il a décrit dans l'interview que j'ai cité plus haut. C'est-à-dire que ce Macintosh, c'est un médium à travers lequel il va pouvoir exprimer les émotions de la contre-culture. Et en fait, c'est vraiment là qu'était le génie de Steve Jobs. C'était pas du tout un génie technique. Si on regarde le Macintosh, toutes ces révolutions techniques, c'est pas lui qui les a inventées, il les a pompées, il les a volées même à droite à gauche. Mais son génie, c'était sa capacité à ramasser un ensemble d'innovations qui émergent à un moment donné et à les réunir dans un objet qui sera capable de faire vivre à l'utilisateur des émotions, les émotions de la contre-culture, les émotions de sortie du quotidien et une forme d'expérience très magique, très, très exaltante. Donc voilà ce que fait Steve Jobs. Et donc, pour en revenir à la question que j'ai posée à la fin du slide précédent, ce qui se passe concrètement avec l'émergence d'Apple, c'est que Steve Jobs, en fait, il prend la spiritualité high-tech qui s'était constituée au sein des communautés hippies quelques années plus tôt, en marge de la société, et il va l'intégrer dans la société. Il va l'intégrer dans l'économie de marché. Et alors, en faisant ça, en fait, en intégrant cette spiritualité, il ne va pas la dénaturer. Enfin, déjà, il ne retourne pas sa veste et il ne dénature pas cette spiritualité. Il ne lui fait pas prendre une direction qui serait complètement différente. En fait, il lui permet d'aller encore plus loin dans sa logique propre, dans la logique qu'elle avait d'elle-même au sein des communautés hippies. C'est-à-dire qu'il va lui permettre de développer des technologies qui pourront repousser les limites toujours plus loin et donner toujours davantage le sentiment qu'on sort du quotidien et le sentiment de vivre cette exaltation collective autour des technologies et ce sentiment un peu mystique de l'expérience utilisateur. Donc voilà, c'est vraiment ça, fondamentalement, qui se passe avec l'émergence d'Apple. Enfin, notamment d'Apple, hein. Je dis Apple, mais il y a tout un tas de startups qui sont dans cette logique-là. Alors, un autre aspect qui change énormément avec la création de ces startups, et qu'il faut évidemment analyser, c'est l'entrée en ligne de compte de quantités d'argent qui vont devenir très rapidement astronomiques. Mais là aussi, il faut bien voir la place qu'occupe l'argent pour ces acteurs dans cet univers. Donc là, c'est le même interview que celui que j'ai cité plus haut. Il décrit assez bien son rapport à l'argent. Il disait « Je posais plus d'un million de dollars quand j'avais 23 ans, plus de 10 millions à 24 ans et plus de 100 millions à 25 ans. Et ce n'était pas si important parce que je n'ai jamais fait ça pour l'argent. Le plus important, c'était l'entreprise, les personnes, les produits que nous développions, ce que nous permettions de faire avec ces produits. » Donc là aussi,
il faut bien comprendre ce qu'il dit. Il ne dit pas qu'il n'est pas intéressé par l'argent. Il dit qu'il ne fait pas ça pour l'argent. C'est-à-dire que l'argent n'est pas la finalité pour laquelle il a développé toutes les technologies qu'il a pu développer au cours de sa vie. Donc il explique que pour lui, l'argent, c'est avant tout un moyen qui lui permet de développer son entreprise et, à travers son entreprise, qui lui permet de créer ses technologies qu'il développait un peu comme un artiste et à travers lequel il exprimait ses émotions qui lui tenaient à cœur. Et d'une manière générale, ce rapport à l'argent, je l'ai retrouvé dans ma thèse, à travers mon travail de terrain, je l'ai retrouvé à tous les niveaux de cette industrie. Que ce soit chez les managers et les ingénieurs qui travaillent dans ces sociétés, que ce soit chez les développeurs qui entourent et qui constituent leurs écosystèmes, et même chez les investisseurs qui financent ces sociétés. En fait, pour ces acteurs-là, l'argent, c'est quelque chose de très important. Ils cherchent à en gagner un maximum, mais c'est pas ça qui est au cœur de ce qu'ils font. C'est pas ça qui, c'est pas l'élément central qui les fait vibrer. Ce qui leur fixe leur cap, en fait, ce qui les rassemble autour de ces projets entrepreneuriaux, c'est vraiment la passion qu'ils partagent pour ces technologies et leur capacité à changer le monde et avoir le sentiment de vivre quelque chose de magique autour de ces technologies. Voilà, c'est vraiment cette place-là qu'occupe l'argent dans cet univers. Alors, là, on entre dans la deuxième partie de la conférence. Donc là, je vais avoir une position un peu plus extérieure par rapport à ces entreprises pour analyser certaines des dynamiques qui sont induites par leur culture de l'innovation. Donc là, j'ai mis quelques points. J'aurais pu en mettre d'autres, mais bon, je n'aurai pas le temps de tout aborder. J'ai mis les plus importants. Alors déjà, il y a un point, c'est la culture du secret qui est assez connue chez Apple notamment, mais qui est présente chez toutes ces entreprises. En fait, pour eux, c'est tellement important de créer un effet de surprise, ce qu'ils appellent un effet « wow » quand ils présentent leur technologie, que ça les force en fait à travailler de façon très secrète et de façon très fermée. Donc on connaît le côté un peu obsessionnel de Steve Jobs et d'Apple de ce côté-là, mais même dans une entreprise comme Google, qui est un peu connue pour son côté un peu plus ouvert, son lien avec l'open source par exemple, je m'en étache. Voilà, c'est quelque chose de caractéristique que partagent ces entreprises. Le deuxième point important, c'est ce que j'appelle l'effet winner takes all, qui est lié à la disruption. C'est-à-dire que quand vous lancez une innovation et que vous êtes le premier à la lancer, c'est vous qui allez faire sensation, c'est vous qui allez créer l'effet de surprise auprès des consommateurs. Mais pas qu'auprès des consommateurs, même auprès des ingénieurs, des grands talents que vous allez chercher à embaucher, auprès des investisseurs qui eux aussi, quand ils investissent dans leur argent, ils sont sensibles au côté un peu magique des projets qui sont développés. Et donc ça va créer tout un tas d'effets de buzz et d'effets de communication qui se traduisent par des avantages très concrets, par le fait que vos technologies seront plus vendues, seront plus séduisantes. Et en fait, quand vous arrivez en deuxième et que vous présentez la même innovation, bah vous tomberez dans le déjà vu. Et vous ne serez pas porté par la même dynamique. Vous êtes un peu comme un surfeur qui aurait raté la vague et qui du coup va se mettre à ramer. Alors on peut jouer sur d'autres facteurs, par exemple baisser les prix, c'est un peu ce que fait la Chine. Mais voilà, cette dynamique affective, elle a tendance à favoriser le petit nombre d'acteurs qui font la course en tête, qui arrivent à bénéficier de l'effet « wow » et puis à le réinvestir pour aller toujours plus loin. Et elle a tendance à disqualifier donc, tout le reste des acteurs qui n'arriveront pas à suivre le rythme. Voilà, donc ça, c'est une dynamique de concentration du marché autour de quelques leaders. Un troisième point que je voulais citer, c'est un mécanisme plus économique cette fois-ci, qui vient en fait amplifier le point précédent. C'est ce que les économistes appellent l'effet réseau déjà, qui fait que plus une plateforme a d'utilisateurs, et plus elle sera intéressante, et plus elle sera susceptible d'attirer encore plus d'utilisateurs.
et le mécanisme des économies d'échelle qui fait que plus une plateforme a d'utilisateurs et plus son coût structurel par utilisateur se rabat. Et donc voilà, cette dynamique économique, en fait, elle a tendance à amplifier la dynamique affective qui déjà concentrait un peu l'attention de tout le monde autour de quelques acteurs. Et c'est ça qui crée un peu ce panorama très oligopolistique qui caractérise l'industrie du numérique. Alors, quand on fait la généalogie de la culture de l'innovation de la Silicon Valley, et quand on regarde le type d'ordre social que ces entreprises recréent autour de leur technologie, en fait, on est frappé par les profondes contradictions dans lesquelles ces sociétés se retrouvent prises. En fait, elles retombent exactement dans toutes les principales critiques qui portaient la contre-culture dans les années 60. Là, j'ai mis les principaux, enfin, certains des points critiques de l'époque. Il y avait la critique de la technocratie qui était très importante. Donc, ces entreprises de la Silicon Valley, elles sont connues pour le scientisme, pour cette vision du progrès technique qui serait capable de venir à bout de tous les problèmes auxquels un être humain peut être confronté. Donc voilà, c'est exactement le même schéma, la même vision technocratique qui est reproduite. La critique de la concentration des pouvoirs, donc ça on sait bien que ces fameux GAFA, c'est les plus grosses capitalisations boursières de l'histoire du capitalisme. La critique de la morale bourgeoise de l'époque qui était un peu vilipendée. Donc en fait, ces sociétés, elles ont des valeurs morales très fortes. Elles se revendiquent toutes de vouloir rendre le monde meilleur ou de ne pas faire le mal, comme dirait Google. Et même au-delà de ces valeurs morales, en fait, elles portent des idéologies très puissantes. On l'a vu par exemple avec la présentation marketing du Macintosh. D'ailleurs, il y avait une expression pour définir cette capacité de Steve Jobs à transfigurer la technique. On disait qu'il avait un champ de distorsion de la réalité. Et donc, en fait, ces entreprises, au cœur de ces entreprises, il y a des idéologies, des visions du monde déformées comme ça qui sont très importantes. Ensuite, la critique du consumérisme, bon, là aussi on a tenté de citer Apple et ces fameux Apple addicts, leur capacité à faire des queues de plusieurs jours à chaque lancement de nouvelles technologies. Donc là aussi, en termes d'achat compulsif, ils ont aussi repoussé les limites toujours plus loin. Et enfin, la pression sur les individus et sur l'environnement. Donc ça, on sent que ces technologies du numérique et cette culture qui les entoure, elles tendent à accélérer les modes de vie. Que ce soit pour les acteurs qui sont plongés dans cette quête de repousser les limites de la technologie, de la disruption toujours plus loin, ou que ce soit tous les acteurs, en fait, nous tous, qui sommes pris dans cette économie particulière, on se retrouve un peu pris dans ce rythme auquel on doit s'adapter à ces évolutions permanentes. Donc en fait, c'est quelque chose qui tend à mettre davantage de pression sur les individus. Et sur l'environnement également, parce que bon, toutes ces technologies, il faut les produire, faut les alimenter, et tout ça, c'est très consommateur en ressources naturelles. Ça, c'est tout un sujet, d'ailleurs, tu dois mieux le connaître que moi, mais l'alimentation des data centers, par exemple. Donc voilà un petit peu. Donc on voit qu'en fait, ces sociétés, elles recréaient un ordre social qui est exactement de même nature que celui contre lequel elles cherchaient à faire la révolution, que celui de l'époque précédente du capitalisme fordiste. Et voilà, donc elles retombent dans les mêmes travers technocratiques, hégémoniques, etc. Alors, la dernière question que je poserai cette fois-ci, donc c'est un peu celle que tu as posée en introduction, c'est comment comprendre ce revirement, ce retournement historique? Comment interpréter cette contradiction qui est au cœur de l'histoire de la Silicon Valley?
Donc on a vu que l'explication qui consistait à dire que c'est parce que ces hippies ont retourné leur veste pour devenir des capitalistes un peu cyniques et cupides, c'est une interprétation que beaucoup ont, mais qui n'est pas satisfaisante, voilà, qui ne permet pas vraiment de saisir comment les choses se passent. Pour moi, il y a plutôt une continuité, une forme de cohérence au niveau de cette évolution. Mais alors, donc, où se trouve la contradiction? À quel moment est-ce qu'il y a une contradiction dans cette histoire? Alors, pour donner une clé de compréhension de cette évolution particulière, donc là, je vais terminer par mobiliser Max Weber et sa fameuse analyse « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Et alors, dans son analyse, en fait, il analyse le rôle qu'a pu avoir le protestantisme dans le développement du capitalisme fordiste, donc dans le capitalisme qui précède l'époque des années 60 et tout ce qui s'ensuit. Et il analyse que cette période, en fait, les entrepreneurs protestants de cette période, ils étaient eux-mêmes portés par une spiritualité très forte. En fait, il analyse que pour l'entrepreneur de cette époque-là, la réussite économique, elle avait une signification religieuse particulière. Réussir, ça voulait dire qu'on avait été choisi par Dieu, qu'on avait été élu par Dieu pour accomplir sa volonté sur terre, en quelque sorte, pour accroître le royaume de Dieu sur terre. Donc c'est une spiritualité qui est très différente de celle des hippies, mais qui repose sur le même type d'émotion et d'exaltation, de zèle même, je dirais, que ces entrepreneurs mettaient dans leur travail, qui considéraient un peu comme une vocation. Et Max Weber, donc, il analyse comment cette spiritualité a contribué au développement du capitalisme moderne. Donc il dit, lorsque l'ascétisme protestant se trouva transféré de la cellule des moines, donc en marge de la société, dans la vie professionnelle, donc au cœur de la vie économique et industrielle, ce fut pour participer à l'édification du cosmos prodigieux de l'ordre économique moderne. La fatalité a transformé ce manteau en une cage d'acier. J'ai un peu mal tronqué cette citation, mais j'espère que ça se comprend. Donc en fait, voilà, il analyse bien que c'est le fait d'avoir intégré cette dynamique religieuse au sein du développement économique, et avec tout l'enthousiasme que ça a pu insuffler, avec tout le fait que tous ces acteurs étaient très rassemblés autour de leur projet et dédiés à un mode de vie très, très ascétique, très besogneux. C'est ça qui a créé ce qu'il appelle ce cosmos prodigieux de l'ordre économique moderne, qui compare à une cage d'acier, parce que de par la dynamique qui a été insufflée, ça tend à forcer les acteurs qui se retrouvent pris là-dedans à avoir une vie très, très, très contraignante, très demandeuse en travail, etc. Bon, là, je me dépêche. Donc, en fait, ce que font les hippies, c'est exactement... on pourrait presque paraphraser Weber pour décrire ce que font les hippies. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils redéveloppent une nouvelle forme de spiritualité qui est très différente sous certains aspects de celle des protestants. Voilà, c'est pas une opposition entre l'enfer et le paradis, ils ne parlent pas de Dieu par exemple. Ils opposent l'ordre établi, qui est considéré comme mortifère et oppressant, qu'ils opposent à l'univers qui est ouvert par des technologies considérées comme complètement révolutionnaires et dans lequel on serait complètement libre. Donc c'est des visions du monde différentes, c'est des discours, des valeurs différentes, mais c'est des structures et des émotions qui sont de même nature que celles qui portaient les entrepreneurs de l'époque précédente. Et donc ce qu'ont fait ces hippies, c'est que d'un côté, ils se sont révoltés contre l'ordre capitaliste fordiste, pour dire un peu rapidement, mais cette révolution, elle est passée par la reconstitution d'une nouvelle forme de spiritualité, qui est de même nature que celle des religions traditionnelles. Et ils ont mis cette spiritualité au cœur de la vie économique et industrielle. Et c'est vraiment cette dynamique-là qui donne sa dynamique à ces grandes sociétés et qui les a amenées à devenir les empires très conquérants, très, très messianiques, pour reprendre une métaphore religieuse qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà un petit peu, c'est l'interprétation, la clé de lecture que j'ai construit un petit peu à travers ma thèse. Et voilà, bon, je pense que j'ai un peu dépassé le chronomètre, donc je vais m'arrêter là. Et,
voilà, je vous remercie de votre attention. On passe aux questions, du coup. Merci beaucoup, Rémi. Du coup, il nous reste à peu près 20 minutes. On est censé normalement rendre la salle vers 20h. Il devait y avoir un échange entre Rémi et moi, et ensuite on vous donne la parole. Comme il ne reste plus beaucoup de temps, je vous propose d'alterner entre mes questions et les vôtres et qu'on se discute tous ensemble de tout ce que vient de nous raconter Rémi. Et pour que je puisse répondre à une question supplémentaire qu'on va avoir après son récit. Est-ce que certains ont des questions, ou est-ce que vous voulez que je commence, ou est-ce qu'il y a déjà des interrogations parmi vous? Alors, je vais commencer par une question très simple. Déjà, c'est toi qui es ingénieur, comment t'en es arrivé à te lancer dans cette grande recherche autour de l'évangélisme technologique? Qu'est-ce qui t'a amené à traiter ce sujet? Ça, c'est une longue histoire. Il faudrait que je raconte toute ma vie. C'est un peu... Bon, je peux dire comment j'en suis arrivé à m'intéresser en fait à ce sujet particulier, à faire une thèse dessus et y consacrer plusieurs années. En fait, alors moi je suis ingénieur comme tu l'as dit, j'ai fait une école d'ingénieur très axée sur le numérique. Et moi ce qui m'intéressait à la base, c'était l'écosystème des développeurs Android. Ce qui m'intéressait dans cet univers, c'est que d'un côté c'était un univers donc, qui était open source, hein, Android c'est une plateforme qui est open source. Et c'est un univers qui est très marqué par ce qu'on appelle l'éthique hacker. C'est des gens qui n'aiment pas trop les formes d'autorité traditionnelles, qui aiment bien pouvoir s'approprier les choses, les bidouiller. C'est cet état d'esprit qu'il y a dans ces communautés. Et je trouvais qu'il y avait un paradoxe dans cet univers-là, parce que Android, c'est un univers qui est quand même centré sur un acteur hégémonique, enfin quasi monopolistique, qui est Google. Et je me demandais en fait comment est-ce que c'est possible qu'un univers qui est marqué par une forme de défiance à l'autorité, comment est-ce que ça peut être organisé et constituer un univers quasi hégémonique à l'échelle mondiale, hein. Il y a des centaines de communautés dans le monde. Et puis c'est un univers qui marche, c'est une plateforme qui... Alors aujourd'hui c'est beaucoup mieux géré, il y avait un peu de fork à l'époque, mais voilà, c'était ça la question que je me posais. Et alors il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte, c'est le fait que Google, ils détiennent le Google Play par exemple, qui donne accès à toutes les plateformes, à toutes les applications, et donc c'est un peu grâce à ça qu'ils tiennent le système. Mais ce que j'ai remarqué en fait quand j'ai été dans ces communautés, c'est que ce qui fait la cohésion de ces personnes, ce qui fait qu'elles travaillent sur Android, qu'elles s'investissent sur cette plateforme, qu'elles assistent à ces communautés, qu'elles créent ces communautés, c'est surtout par rapport au lien affectif qu'elles ont avec cette technologie. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu des milliers de fois, c'est le fait qu'ils sont passionnés par ces technologies. Et donc, c'est en m'intéressant en fait à ce lien affectif que j'ai découvert cet évangélisme technologique que je ne connaissais pas du tout. Et cette méthode marketing qui justement s'appuie là-dessus, sur la passion de ces acteurs. Et donc, au-delà des aspects techniques, financiers, économiques qui contribuent à la cohésion de cette plateforme, voilà, pour moi, c'est vraiment la cohésion affective qui crée la nation Android, on pourrait dire, qui donne sa cohésion à cet univers. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet. Ouais, on assimile souvent l'idéologie de la Silicon Valley à quelque chose de libertarien. Comment est-ce qu'on pourrait articuler, où est-ce que tu es libertarien avec le côté plutôt bouddhiste, évangéliste, parce que ça me semble un peu opposé, quoi. Le côté libertarien, il s'illustre pas, je crois, par le renoncement à soi, au contraire. En général, ces gens-là sont plutôt des gens, dans certaines enquêtes ethnographiques, s'illustrent plutôt par leur vision fonctionnaliste, la recherche, un côté un peu hédoniste, quoi, la recherche de leur propre bonheur. C'est plutôt ça qui a l'air d'être au cœur dans le transhumanisme, notamment. Parce que la Silicon Valley, c'est aussi le transhumanisme. C'est un peu confus, mais comment ça s'articule, comment on en est venu, je vais essayer de le faire. Comment on en est venu, comment on est passé, voilà, des idées un peu bouddhistes où il y a un oubli du moi, quoi, au sens.
psychologique du terme, avec quelque chose de libertarien qui ne se caractérise pas par ça. Alors, moi, ces catégories de libertaire et libertarien, j'avoue que je ne les utilise pas trop. D'ailleurs, je ne les maîtrise pas vraiment, donc je ne vais pas pouvoir répondre de façon très, très pertinente à ta question. Alors, comment est-ce que... Enfin, là aussi, je pense qu'il faudrait définir précisément ce que c'est qu'un libertarien. Je pense que c'est des oppositions qui sont un peu... qui sont créées par une vision un peu à gauche des choses. Voilà, je pense que... Je la trouve pas forcément pertinente. C'est hippie... Enfin, ils étaient libertins. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui était relativement individualiste, en fait. Alors là aussi, même ça, c'est quelque chose qu'on dit en général par opposition à la nouvelle gauche, qui était plus dans la dimension politique. Mais voilà, ces hippies, ils étaient dans une dynamique d'outrepassement de l'individualité, en fait. C'était une démarche individuelle, introspective, de changement intérieur, mais qui s'inscrivait aussi dans des expériences collectives, de communion, de création. Ils créaient des communautés, en fait. Et donc, comment certains basculent dans le libertarien... Oui, c'est ça, le libertarianisme. Franchement, je ne peux pas répondre de façon très, très pertinente. Donc, voilà, je vais un peu sécher là-dessus. Est-ce que c'est pas... juste avant, mais est-ce que c'est pas justement cette option qui est de dire que par l'individu, on peut changer les choses, en fait, tout simplement? Chez l'hippie, c'est ça. Hein, c'est je me transforme moi, donc je me trompe. Hein, donc je transforme le monde. C'est ce que disent les libertariens. Ils sont un peu tout seuls dans le désert et puis font des levées de fonds considérables pour impacter 1 milliard d'êtres humains. Quoi. Enfin, ils sont dans ce délire-là. Quoi. Parce qu'il n'y a pas ça un peu... Enfin, j'ai peut-être ta vision gauche, hein, du coup. Hein. Oui, exactement. Je l'assume. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas ça, finalement, aussi chez les bouddhistes, ce type-là de récupération du bouddhisme, hein. Mais là aussi, je pense que dire que ces libertariens seraient des individualistes, moi ça me gêne par exemple quand on voit les appels addicts, par exemple, ils ont leur communauté, j'ai été dans ces communautés, c'est des fan clubs où voilà, ils sont des amis, et puis même quand vous rentrez dans un Apple Store, alors là bon, c'est très orchestré, c'est vraiment orchestré, mais voilà, on vous accueille, on fait des hurrahs, et c'est un peu comme une église, en fait. Hein, on peut être individualiste et sympa. Hein. Ils sont individualistes et collectifs et communautaires aussi. Donc voilà, c'est pour ça que cette opposition, moi, elle ne me paraît pas très pertinente. Donc, qu'est-ce que vous... Alors, moi, je m'interrogeais sur le terme d'évangélisme. Je suis arrivée en retard, donc je ne sais pas si vous en avez parlé. J'ai bien compris la dimension spirituelle qui sous-tend l'évolution de ces acteurs, mais au moins... C'est vrai que ça me fait penser dans le métier de la tech pas mal à Guy Kawasaki et qui prenait son bâton grec. Vous en avez parlé, ok. Non mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, dans quelle mesure il y a une forme de prosélytisme, hein, qu'est-ce que ça sous-tend exactement cette expression Voilà, si vous en avez déjà parlé, ne revenez pas sur ce que vous avez dit, mais est-ce qu'il y a ce côté un peu, enfin, si on reste sur la métaphore religieuse, tentative de conversion, de prosélytisme, et si oui, pourquoi? Oui, absolument. Alors, pourquoi? Il y en a qui vont vous dire, c'est pour gagner plus d'argent. Ils font du prosélytisme pour avoir plus de consommateurs, etc. Mais en fait, ces évangélistes-là... D'ailleurs, les évangélistes... Être évangéliste, à la base, c'est les employés de ces sociétés qui sont payés pour ça. Mais on peut aussi devenir un évangéliste de second rang, si je puis dire. Qui a été lui-même convaincu par cette passion pour les technologies et qui va lui-même ensuite faire des présentations, des conférences dans cet écosystème. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de prosélytiste et c'est la même dynamique que celle de la religion. C'est pour ça qu'il utilise cette métaphore, parce qu'elle est très pertinente. Et derrière ça, en fait, c'est vraiment... c'est un sentiment très naïf, je dirais. Enfin, je dis naïf pas dans un sens méprisant. Mais c'est le sentiment d'émerveillement qu'ils peuvent ressentir quand ils découvrent le nouveau smartphone qui vient de sortir, quand ils découvrent par exemple les Google Glass. À une époque, c'était vachement à la mode, ça a un peu capoté, mais voilà, c'est quelque chose de presque infantile, je dirais, et qui les fait vibrer.
Et pour certains, c'est quelque chose de central dans leur vie. C'est ce qui donne du sens à leur vie. Pour eux, voilà, le progrès technique, c'est fabuleux. Ils sont à fond là-dedans. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est au cœur de l'évangélisme technologique, même en tant que méthode marketing, avec tous les intérêts économiques qui peuvent être liés à ça. Il y a toujours cette sincérité un peu naïve. Ça, j'ai discuté avec beaucoup d'évangélistes. Ils m'ont tous dit, en fait, pour faire ce boulot, tu es obligé de croire en ce que tu fais. Si tu n'y crois pas, si tu n'es pas convaincu, si tu ne sens pas cette exaltation que transportent ces technologies, ça se sent, et puis il n'était pas convaincant, et les développeurs, ils le sentent, ils me disaient, ils ont un bullshit détecteur, donc voilà, ils ne vont pas adhérer à ce que tu dis. Donc voilà, pour moi, l'évangélisme technologique, ce qui est central là-dedans, c'est vraiment cette dimension affective, et bien sûr, il y a aussi tous les aspects économiques qui sont liés à ça, et qui viennent d'ailleurs alimenter cette passion, ça s'articule, mais c'est toujours l'affect qui est central. Question dans le fond. En fait, c'est dans cette problématique-là, qu'est-ce que vous pensez de la communauté open source et des théoriciens comme Richard Stallman, je ne sais pas si ça vous parle. Richard Stallman, donc le patron de Virgin, je ne savais pas qui il était. Non, pardon. C'est un barbu, justement. Oui, oui, le fondateur de MIT, là. Oui, oui, en fait, ce que montre Android, c'est que l'open source, c'est une nouvelle façon de développer des logiciels. Voilà, c'est une matrice, un mode de fonctionnement. Mais après, ce mode de fonctionnement, il peut être intégré à des cultures très différentes. Par exemple, il y a beaucoup de communautés qui ont un côté un peu gauchiste, un peu anticapitaliste. Bon, je dirais pas que Stallman était dans cette catégorie, mais bon, il était... Il y a des gens un peu puristes, par exemple. D'ailleurs, Stallman, c'est pas open source, c'est logiciel libre. Ouais, voilà, après, voilà. Il y a plein de nuances, il y a plein de chapelles. Exactement, il y a des chapelles qui tombent dans des métaphores. Et en fait, Google, ils ont créé leur version de l'open source qui s'articule avec cette culture de l'innovation très technocratique et très, très exaltée, très zélée autour des technologies. Et à travers cette culture-là, ils arrivent à créer une sorte d'open source un peu impérialiste, je dirais, un open source qui a son église et qui crée une organisation de taille mondiale et pas une petite communauté locale qui développe tel outil et qui va le partager avec une autre communauté indépendante ailleurs. Donc voilà, pour moi, l'open source, c'est un mode de fonctionnement. Après, toutes les questions qu'il faut se poser, c'est à quelle culture est-ce que ça s'articule, à quel projet, à quelle vision du monde est-ce que ça va s'intégrer. Alors moi j'avais une question sur, pour reprendre un peu ce qu'on disait au début, c'est qu'effectivement aujourd'hui les technologies numériques elles sont beaucoup décriées, on accuse la surveillance, le monopole, le contrôle, aussi les impacts écologiques pour beaucoup. Est-ce que du coup face à toutes ces accusations et à toutes ces dérives qu'on dénonce en permanence, est-ce que l'évangélisme technologique te semble condamné ou est-ce qu'il va trouver d'autres manières de se renouveler? Dans ton livre, tu utilises l'expression très intéressante de redescente prométhéenne, justement, pour qualifier justement cette phase. On parlait des prises de LSD au début, mais du coup, est-ce qu'on est vraiment dans cette phase de redescente, justement, suite à cette époque d'émerveillement qu'on a eue autour du smartphone, du Macintosh et tous ces devices de notre quotidien? Oui, exactement. En fait, cette phase de redescente, elle m'a beaucoup intéressé parce que, en fait, chez les hippies, il y avait cette phase de redescente qui était vraiment problématique. En fait, ils prenaient du LSD, ça leur permettait de trouver l'extase, d'avoir le sentiment d'être complètement libre. Et après ça, il y avait cette redescente. Il y avait ce moment où on revient à soi, on retrouve son individualité en quelque sorte. Et c'était déprimant, ils avaient le sentiment de sortir du paradis pour revenir à leur prison quotidienne. Et ils ont cherché tout un tas de moyens pour vivre une extase indéfinie. Ils n'ont jamais trouvé, évidemment. Et moi, je me suis demandé, en fait, étant donné que c'est le même type d'exaltation qui s'exprime à travers l'innovation technologique, et c'est une exaltation qui ne crée pas juste un état émotionnel temporaire lors d'une soirée ou que sais-je,
c'est une exaltation qui engendre la création de start-up, la création d'infrastructures, des levées de fonds, qui engendre en fait un ordre social vraiment qui s'étend à l'échelle planétaire. Et je me suis dit, comment est-ce qu'il y aura ce même type de phase de redescente à leur niveau? Et cette phase, en fait, je l'ai retrouvée chez les développeurs. Ils me disaient que quand ils développaient, déjà, leurs petites équipes, quand ils avaient fini leur projet, ils avaient tendance à se sentir un peu seuls. Ils avaient comme si le rythme de vie, tout à coup, il ralentit, ils n'ont plus de problèmes, de choses à explorer. Et donc, ils m'ont parlé eux-mêmes, ils ont utilisé le mot redescente. Ça m'avait marqué. Et ce que je me suis dit, c'est que, au niveau de cette dynamique générale qui a engendré la création de ces empires, je pense qu'il y aura une phase de redescente, mais plus, beaucoup plus, ce que j'appelle la redescente prométhéenne, c'est-à-dire c'est le moment où ces acteurs, qui étaient dans leur forme d'effervescence de départ, réalisent que la réalité qu'ils créent à travers leur projet est complètement différente de ce qu'ils avaient en tête au départ. C'est une forme de désillusion. Et ça, c'est quelque chose... Je pense qu'on commence à rentrer dans cette phase-là. On commence tous à sentir que, au-delà de la magie que peuvent faire ressentir ces technologies, il y a tous les effets que j'ai cités, très négatifs. Tout le monde commence à essayer d'attaquer le pouvoir considérable qu'ont acquis ces sociétés. Leur capacité à faire rêver, on sent qu'elle tend aussi à s'affaisser un petit peu. Et je pense que, donc pour en revenir à ta question, cette capacité d'évangélisation, elle aura elle-même tendance à perdre un peu de son pouvoir de conviction et elle fera moins effet, quoi. Elle sera moins... Quand on montre un smartphone aujourd'hui, moi par exemple, je pense au documentaire d'Élise Lucet qui montrait les ouvriers chinois, parfois des enfants, qui créent des smartphones. C'est un exemple, mais bon, voilà, on commence tous à relier ces technologies magiques hors du quotidien, déconnectées de tout, à une réalité dont on commence à sentir les contours. Voilà. Et je pense effectivement, alors je ne dirais pas que l'évangélisme est condamné, mais je pense que la vision du monde qui s'exprime à travers cet évangélisme, je pense qu'elle marquera une époque historique, en fait, qui a eu son âge d'or, et qui aura son déclin, et qui là aussi laissera place à des nouvelles formes de contestation sociale, peut-être des nouvelles formes de contre-culture, qui auront des discours différents de ceux des hippies ou des gauchistes qu'on a eus. Mais oui, je pense qu'il y aura cette dynamique de déclin, et qu'on est dedans, et qu'elle va se faire sentir de plus en plus. D'ailleurs, peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur l'aspect de redescente et si on prend Apple notamment, je ne sais pas si tout le monde a vu la dernière campagne Apple, Digital et Télé, du mois de janvier 2020. Alors Apple ne parle pas de produits, Apple ne parle pas de la dernière montre à acheter, Apple ne parle pas de la dernière innovation incroyable, Apple vous parle juste de vos données personnelles et à quel point Apple va les protéger. Alors, est-ce que ce ne serait pas déjà justement un premier signe de redescente? En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue quand j'ai vu le spot télé. Et l'autre question, c'est, on avait justement cet aspect Google, open source, l'aspect libre, mais en même temps pas si libre, on n'a plus nos données. De l'autre côté, l'aspect plateforme fermée d'Apple, mais l'accès y est très cher. Donc en fait, est-ce qu'on revient à la racine wiki de Apple en utilisant cet argument de données personnelles? Typiquement, on est passé un peu de l'important, c'est pas l'ordinateur, mais ce que vous pouvez faire avec l'ordinateur, à l'important, c'est pas le smartphone, mais ce que le smartphone ne fera pas de vous. Et est-ce que ça, c'est un argument hippie ou un argument capitaliste? Je pense que c'est une stratégie purement... c'est dans ce jeu de compétition pour se distinguer de Google. Je vois pas une signification spirituelle particulière dans cette... dans cette stratégie, oui, moi, c'est vraiment... Oui, il y avait une affiche à Las Vegas, ils avaient mis ce qui se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone. Enfin, mais non, c'est vraiment... en fait, c'est une guerre économique. Hein, mais c'est engendré, en fait, par cette course à la disruption. C'est que
ça a tellement tendance à créer des acteurs hégémoniques que la compétition, elle est très rude, que ce soit entre Apple et Google. Et puis, en fait, en ce moment, ils sont tous en train de commencer à piétiner les plates-bandes des uns et des autres. Hein. Apple, c'était les iPhones, les ordinateurs, etc. Ils commencent à faire le streaming, à faire tout un tas d'autres choses. Google, c'est Google Maps. Enfin, ils s'étendent dans tous les sens. Et c'est ça qui fait qu'ils sont beaucoup plus tendus et beaucoup plus offensifs les uns avec les autres. Je pense que c'est plus cette évolution du marché qui justifie ces jeux de... Oui, alors moi j'aimerais revenir sur la partie, en fait, la slide qui m'a interpellée sur le rapport à l'argent. En fait, vous avez mentionné que ce n'était pas ça essentiellement pour l'argent, mais plutôt pour les émotions qui permettaient de générer, notamment chez les consommateurs, j'imagine. Or, dans les années 80, les émotions du Macintosh n'étaient pas accessibles à tout le monde, loin de là. Donc, une question que je me pose, je ne sais pas si vous l'avez abordée, c'est dans vos travaux, c'est est-ce que, justement, le progrès technologique qui a commencé à ce moment-là et de façon exponentielle, maintenant on a tous un smartphone avec Internet et tout ce qui va avec, est-ce qu'au départ, ça relevait de l'évangélisme technologique et du fait de vouloir justement répandre ces technologies? Est-ce qu'ils étaient déjà entrés dans une logique consumériste où ils voulaient ou ils devaient faire du profit parce que sinon la boîte s'écroulait? Voilà. Est-ce que vous avez... alors, il n'y a pas une date, effectivement, où ça a basculé, mais je m'interroge sur ce mécanisme. Oui, mais justement, en fait, il n'y a pas eu de basculement, il n'y a pas d'opposition entre la magie qu'ils cherchent à créer autour des technologies et les profits qu'ils cherchent à accumuler en les vendant dans la mesure la plus vaste possible. En fait, c'est cette envie de vouloir montrer ces nouvelles technologies au monde. C'est lié à la logique du mouvement hippie. Ils voulaient changer le monde, ils voulaient... D'ailleurs, même les premières communautés qui créent leurs ordinateurs, mais entre geeks, hein, il n'y avait aucune logique commerciale, ils créaient eux-mêmes des événements où ils réunissaient plusieurs milliers de personnes pour montrer ce qu'ils faisaient. C'est une forme de prosélytisme, c'était désintéressé à la base, mais c'était pour partager ces émotions, parce que le fait de les partager, ça les amplifie d'une certaine façon. Comme on dit, plus on est fou, plus on rit. C'est pas terrible comme expression, mais c'est vraiment. Mais voilà, c'était cette logique affective-là qui les poussait à atteindre le plus de personnes possible. Et cette logique-là, en fait, quand elle s'est articulée avec des stratégies économiques, donc, elle s'est traduite en fait dans une forme de stratégie conquérante, de vouloir conquérir le monde, mais pour le changer, pour lui montrer la magie des ordinateurs. Ils sont restés un petit peu dans la même logique. Donc, voilà, pour moi, il ne faut pas opposer cette dynamique affective qui initialement est désintéressée à tous les profits qui ont pu s'articuler avec par la suite. Les religions du livre, bon, on prospèrent déjà depuis quelques siècles. On termine sur la redescente. Du coup, la question pour moi, c'est quoi le pronostic pour la religion du e-book? La religion du e-book? Oui, du e-book, du livre. La religion high-tech, c'est ça? Enfin, comment elle va évoluer par la suite? Bah, oui, moi, c'est ce que je disais. Je pense que, en fait, cet enthousiasme initial, il était lié à la sensation que ces technologies allaient bouleverser le monde et créer un monde complètement différent dans lequel on serait beaucoup plus libre. Et plus on avance dans le temps, et plus on remarque qu'on re-rentre dans quelque chose de très similaire, avec des mêmes formes de lourdeur, du quotidien, avec des inégalités qui sont encore pires que celles contre lesquelles il s'est érigé au départ, avec tous les travers qu'il y avait. Donc en fait, je pense que cette forme d'enthousiasme initial, il perdra forcément de sa vigueur, de sa,
de son pouvoir, du pouvoir qu'il pouvait avoir quand c'était complètement nouveau. Et donc mon pronostic, c'est que voilà, il entre un peu dans une phase de déclin, un petit peu, qui durera, je ne sais pas, je ne vais pas faire de pronostic aussi, mais c'est ce sens-là que prendra l'histoire, je pense, dans les années, dans les décennies qui suivent. Voilà. Juste une petite chose, justement, pour lutter, enfin pour faire face à ce déclin, tu étudies à la toute fin du livre une autre perspective où justement tu pars de l'individu et tu expliques, tu développes un nouveau confrontant, une nouvelle notion d'individualité. Et par opposition à l'individu spirituel, qui est l'individu justement qui est sous l'emprise un petit peu idéologique des entreprises, tu développes un autre concept qui est celui de l'individu rationnel, naturel, pardon, l'individu naturel, où tu développes un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus l'idée, parce que c'est un peu la perspective que tu développes rapidement à la fin pour justement faire face à ce déclin et essayer de renouveler un peu, enfin pas de renouveler, mais de voir comment on va vivre après cette redescente, quoi. Oui, oui. En fait, c'est n'importe quel intellectuel, quand il analyse quelque chose, il est toujours tenté d'essayer d'ouvrir des perspectives un peu nouvelles. Et moi, la question que je me suis posée, en fait, si je devais réécrire ces trois pages de la fin, je changerais individu naturel et rationnel que j'ai utilisé par individu profane. C'est-à-dire que... aujourd'hui, en fait, nos sociétés, elles continuent d'être structurées par des spiritualités. Alors, c'est plus les religions traditionnelles qu'on a connues, qui ont structuré les pays, les nations dans lesquelles on vit, mais ce sont toujours des formes de spiritualité qui sont de même nature, qui reproduisent les mêmes travers. Et moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'on pourrait imaginer un monde qui, justement, ne serait plus structuré. Alors, imaginer une société et même imaginer un mode de vie au niveau individuel. Hein. Moi aussi, je suis un peu comme les hippies. Je pense d'abord à l'échelle individuelle avant de penser au niveau collectif. Mais en fait, le schéma spirituel, l'évolution d'un individu, je dirais un peu, pour paraphraser de Beauvoir, je crois, je dirais qu'on ne naît pas spirituel, on le devient. Et ce devenir spirituel, il y a une phase en fait où à la base, on est un individu profane et on est arraché à sa nature profane. Alors, il y a tout un tas de rites de passage hein, que chaque culture a inventé, mais il y a cet arrachement qui est toujours un peu violent pour devenir un adulte qui sera attaché à son totem, à son idéologie, à son dieu, etc. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est comment imaginer un mode de vie où on resterait, on continuerait à prendre appui sur cette nature profane sans se construire une individualité basée sur quelque chose de transcendant et sur une forme de spiritualité X ou Y. Donc, déjà, comment ça se traduirait au niveau individuel et ensuite, quel type de collectif on pourrait former comment ça se passerait si on n'avait plus ces leaders charismatiques qui réunissent. Qui crée des organisations très unitaires autour d'un idéal transcendant. Voilà, c'est cette perspective-là, pardon, que j'essaie d'ouvrir un peu à la fin, qui soulève plein de questions. Hein. J'ai pas un programme politique tout près. Hein. Voilà, c'est plus des perspectives philosophiques à explorer, on va dire. Voilà. Voilà. Merci à vous deux, merci à vous, puis merci d'avoir tenu le temps. Je suis désolé, j'ai dû booster un peu pour qu'on rende la salle, mais du coup ça s'est calibré parfaitement, donc super. J'ai juste deux, trois petits messages. Déjà, vous avez les livres ici que vous pouvez acheter. Celui-là, c'est le mien, il est tout abîmé. Beaucoup plus cher parce que c'est non, mais il coûte 20€, donc c'est parfait, c'est tout rond. Ensuite, on n'a pas de LSD, mais on va aller prendre un pot en face, si vous voulez me suivre, c'est juste par là qu'on va sortir par la deuxième sortie. Et dernier point, après je vous lâche, prochaine date du Mouton Numérique, ce sera le 8 avril à la Gaîté Lyrique. On va refaire un débat ce coup-ci, donc ce sera dans un format plus classique. Ça s'appelle « Ce que l'on nous donne à voir, politique du visible à l'ère numérique ». Et ça va, c'est un sujet qui est passionnant. Et ça va parler de ce qu'on montre ou ce qu'on ne montre pas en fait avec le numérique. Je voulais le pitch, il fait trois lignes. Entre l'avion de reconnaissance américain qui prit en 1944 les premières photos du camp d'Auschwitz sans pour autant les reconnaître, et l'algorithme de modération de YouTube qui efface les vidéos de bombardement en Syrie,
comment décrire, comment penser l'action de ces technologies qui reconnaissent, trient, catégorisent automatiquement les images et les objets. Donc c'est vraiment sur cette capacité qu'ont les IA, tout un tas de systèmes, à trier des choses sans parfois voir ce qu'il y a et en ratant l'essentiel, en l'occurrence, les camps d'Auschwitz pour ce qui nous concerne. Donc voilà, ce sera le 8 avril à la Gaîté Lyrique, n'hésitez pas à venir. Alors, je vous passe les invités, mais les gens tout à fait passionnants comme Rémi ce soir et comme Christelle qui a aussi été cet événement. Donc encore merci à vous.